Allô les amis, c'est Monsieur Brosseau encore. Je suis ici pour vous lire une histoire. Oh, attends, je suis ici. Allô? Aujourd'hui, on a Oli, petit lapin, de Jörg Mühl. Je ne sais pas comment prononcer son nom, mais je pense que j'ai bien essayé. En tout cas, aujourd'hui, comme on a un nouveau format, ce que tu peux essayer, c'est de, si tu veux lire l'histoire toi-même, c'est de baisser le volume et de le lire toi-même. Mais si tu veux écouter, tu peux bien faire ça aussi. Oli, petit lapin. Lui, c'est petit lapin. Tapote-lui l'épaule et il se retournera peut-être. Il se fait tard. Petit lapin doit aller se coucher. Les dents sont brossées. Le pyjama attend. Tape dans tes mains. Il sera vite enfilé. Bravo et merci. On y est presque. Tu veux bien secouer l'oreiller. Super! Maintenant, petit lapin peut se coucher. Dis abracadabra et hop, il sera au lit. Abracadabra! Formidable! Encore une petite gratouille derrière les oreilles. Et une caresse douce dans le dos. Voilà la couette qui arrive. Couvre bien, petit lapin. Voyons. Qu'est-ce qui manque? Le bisou bonne nuit. Pourrais-tu éteindre la lumière, s'il te plaît? Le bouton est là. Juste ici. Ping! Dors bien, mon ami, petit lapin. Et ça termine là. J'aimerais ça souhaiter une bonne fête des mères à tous les mamans. Et on se voit à bientôt!